Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, première rencontre avec mon futur mentor. En fait, c'est ça là, avec la chambre de pas la chambre de commerce, mais en fait, c'est la chambre de commerce. Elle offre un bon cadeau de 300$ pour la première année de mentorat à Technopost Saint-Hyacinthe. Puis en fait, je pense que c'est avec le réseau mentorat qui font affaire eux autres. Puis c'est ça là, ce matin, c'est ma première rencontre avec mon nouveau mentor que je vais avoir pour les prochains mois. Fait que c'est ça là, ce que je vais faire à fond aujourd'hui, je vais aller à cette rencontre là. Puis après ça, je vais vous démontrer un peu ce que ça m'a apporté cette première rencontre là et puis à quoi ça sert le mentorat. Fait que ben là-dessus on part la journée comme ça. Fait que c'est ça comme je disais dans l'épisode d'hier en fait, on parlait d'échantillons que j'envoyais à des clients, puis c'est ça là, j'ai fait l'emballage ce matin. Si vous voulez voir l'épisode d'hier, justement, allez voir ça. Je parlais justement de l'importance de bien traiter les échantillons, que c'est pas juste comme faire des tests de couleurs, mais c'est aussi une opportunité pour montrer la qualité de nos services. Donc, j'ai vraiment pris la peine de bien emballer le produit pour que ça fasse un effet wow, mais que le client le reçoive. Fait que c'est super beau, super prêt à envoyer par la poste. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, je reviens de mon mentorat, ça a super bien été. En fait, j'ai officiellement un mentor attitré à moi. Fait que je suis content, ça va, je vais avoir des rencontres mensuelles avec lui. Puis c'est ça, on a parlé un peu du mentorat, tu sais, à quoi je m'attendais face à ça, le mentorat, tu sais, puis tout. Puis comme mon idée était déjà faite là-dessus, tu sais, que c'était pas des conseils nécessairement, mais plus de l'écoute, tu sais, que c'est ça fitait, tu sais, puis dans le fond, là, je vais vous expliquer vite fait là, comment accéder au mentorat. Là, moi, comment j'ai procédé, en fait, je me suis inscrit à la chambre de commerce. La chambre de commerce, c'est ce qu'elle fait, ben, la ficelle de signer à 5. Je sais pas si c'est partout pareil, mais d'après moi, oui. La chambre de commerce avec Technopole Saint-Hyacinthe, ça, c'est, dans le fond, Technopole, l'organisme qui s'occupe des entreprises dans la région. Dans d'autres régions, c'est d'autres noms, mais allez voir ça avec le gouvernement Axe Entreprise, vous allez trouver votre genre de Technopole dans votre région si vous cherchez ça. Puis dans le fond, c'est ça, là, avec la chambre de commerce, quand tu t'inscris à la chambre de commerce, tu as accès à un an de mentorat gratuit. Donc vu que c'était gratuit, moi j'ai décidé d'en profiter et d'essayer ça. Puis c'est ça dans le fond, ben après c'est 300$ par année là, que ça coûte là, pour l'organisation de tout ça. Puis c'est ça dans le fond, fait que tu t'inscris à la chambre de commerce, tu t'en vas voir le Technopole, l'accès entreprise de ta région, tu t'inscris au réseau mentorat avec eux autres, puis après ça, ben, tu vas avoir tes rencontres avec un mentor, ils vont faire des essais de maillage, dans le fond, ça se peut que ça marche pas tout le temps tout de suite du premier coup, les rencontres, mais quand ça clique, puis sinon, ben, t'as d'autres options qui s'offrent à toi. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être ça. Là, dans le fond, il faut que je me prépare, là. À soir, j'ai une rencontre, un 5 à 7 avec justement la chambre de commerce d'Hyacinthe. Soirée d'accueil des nouveaux entrepreneurs de la région. Donc moi, il faut voir que je me présente devant une trentaine de personnes là. Fait que souhaitez-moi bonne chance, mais ça va bien aller, je suis sûr. Je vous montrerai pas ça en vidéo, mais je vais vous expliquer ça un peu peut-être plus en détail demain si je me rappelle encore de ce qui s'est passé. Fait que c'est ça là-dessus, je vous dis que je vous aime. Puis à bientôt dans le prochain épisode. Bye!